je suis Al. Et moi, Paka. Et ensemble, vous vous souvenez, nous sommes les Alpacas. Dis-moi, Al, est-ce que tu aimes les histoires qui finissent bien? Oh oui, beaucoup. Eh bien, dommage pour toi, car aujourd'hui on va parler d'un roman de Kate Clark. Perdu et retrouvé. Oh. Kate Clark, c'est une auteure qui a le don de mettre les nerfs des alpaga lecteurs en pelote. Elle a déjà écrit Confusion, Cruel, qui va apparaître sous vos yeux dans quelques instants. Ta-da! Oh, tu es magicienne, Paka. Revanche. Et eux qui signent The Dark. Self-Falling n'est pas encore sorti en France pour le moment. Il est tout petit ce roman. Oui, mais ne t'y fie pas. Tu pleures quand même à la fin. Et tu pleureras peut-être aussi avec Perdu et Retrouvé. Attends, j'arrive tout de suite. C'est bon, je suis prêt, continue. Kate Clark, c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai même eu la chance de la voir plusieurs fois lors de séances de dédicaces. Mais Paka, les dédicaces ne sont pas à ton nom. Tu ne les as pas volées quand même. Chut! Donc le roman dont nous allons parler aujourd'hui... Perdu et retrouvé, c'est l'histoire de Faith Logan et de sa grande sœur Laurel. Faith et Laurel étaient inséparables jusqu'à ce que Laurel se fasse kidnapper à l'âge de 6 ans alors qu'elles jouaient ensemble devant la maison familiale. Depuis ce jour, les Logan vivent dans l'attente d'un coup de téléphone qui ne vient pas, un coup de téléphone qui leur annoncerait que Laurel a été retrouvée, morte ou vive. 13 ans plus tard, alors que Faith bat sur ses 18 ans, l'improbable se produit. Sa sœur réapparaît devant la maison de leur enfance, son ours en peluche à la main. Non ! Comment c'est possible ? Mais le pire, c'est que Laurel semble un peu perturbée. Tu m'étonnes. Et le retour de Laurel ne va pas trop arranger. Au contraire, la vie de Faith va même tourner au cauchemar. Mais qu'est-ce qui va se passer, Paka ? Ah ben ça, je ne te le dirai pas. Il faudra lire le roman pour savoir. Mais rassure-toi, Al, si tu fais assez attention pendant ta lecture, tu devineras assez vite le plus gros de l'intrigue. C'est une lecture prévisible alors? Pas du tout. Même si on se doute de quelques éléments, Kate Clark sait réserver quelques grosses surprises à ses lecteurs. Des surprises qui remettent tout en question. De quoi te mettre les nerfs en pelote? Quand on lit un roman de Kate Clark, on sait qu'on doit s'attendre au pire. Mais cette fois, l'auteur change de registre et s'attaque au thriller psychologique. C'est quoi ça? Le thriller psychologique, c'est un genre qui flirte avec l'horreur, mais avec plus de réalisme. En gros, ce sont des histoires de manipulation, des intrigues pleines de suspense, avec des emprisonnements, de l'angoisse... Quelqu'un pourrait arrêter cette musique? J'ai déjà assez peur comme ça, moi... Mais non, il y a quelques scènes qui font froid dans le dos, mais l'auteur aborde aussi des thèmes plus classiques. L'adolescence, la reconstruction d'une famille après un drame... On retrouve dans Perdu et Retrouvé tout ce qui fait le succès des autres romans de Kate Clark. Des personnages humains dans leurs imperfections, des histoires d'amour complexes, voire un peu tordues, et cette certitude que tout le monde ment, le tout sur un fond d'intrigue mystérieuse. Avec Perdu et Retrouvé, tu auras des secrets que tu essaieras de percer, Al. Oui, en fait, Kate Clark nous dépeint la vie, la vraie. Une vie dure qui ne récompense pas toujours les gentils et ne punit pas forcément les méchants. Une réalité composée de nuances, de mensonges et d'ambiguïtés. Tu as tout compris. Perdu et Retrouvé paraîtra peut-être un peu long à ceux qui ont l'habitude de thrillers plus complexes. Mais ce roman reste plaisant si on prend le temps d'en savourer l'ambiance, à la fois lumineuse et pesante. Donc si je dois résumer, Perdu et Retrouvé est une histoire qui commence par un happy ending, une sorte de cauchemar qui prend fin,
mais qui en fait se poursuit. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences, et encore moins dans les romans de Cat Clark. Tu veux bien me le prêter, Paca? En plus, c'est les vacances, alors... Un roman de Cat Clark? Je ne sais pas, Al. Bon, si tu promets de ne pas corner les pages cette fois, et attention, pas de sable dans mon livre, hein. Oh, tu as ma parole d'alpaga. De toute façon, je suis plutôt piscine. Pas d'eau dessus, alors. Et interdiction de le prêter au cousin Lama. D'accord. C'est bon, Paca n'est pas là. Elle n'en saura rien. Oh oh. Hey, mais qu'est-ce que tu fais à mon livre? Si vous avez aimé cette alpa chronique, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. Non, Al, ne change pas de sujet. Tu as corné mon livre. Vous pouvez aussi devenir nos alpapotes en vous abonnant. Je suis désolée, Paca. Pour voir nos autres chroniques, cliquez ici. Mais si vous préférez nous voir déballer un colis, alors cliquez là. Enfin, vous pouvez aller voir la super chronique du souffle des mots sur Perdu et Retrouvé. Elle est vraiment super chouette, donc on vous la conseille. Revanche.